S'il y a des sorciers ici qui mangent la viande, la nuit et la viande de l'homme, dans la sauce plala, ou la sauce graine arrachée, ou djumbe, venez devant ici. On va vous délivrer. Ben, chacun a son identité ici. Moi, c'est la voix chenée Edith. Donne le micro. Je m'appelle la voix chenée Edith. Oui. Je t'écoute. Je suis une sorcière. J'ai été initiée depuis l'âge de 12 ans. Très bien. Donne à ton voix, ton collègue sorcier. Monsieur, tu dis quoi? Pas pour le micro. Je m'appelle Ndakwame Fabrice Angelo. Vous avez dit doucement. D'abord, tu t'appelles comment? Ndakwame Fabrice Angelo. Ah. C'est la chèque qui est restée de nom. Comment t'appelles? Ndakwame Fabrice Angelo. Ah. Là, ça n'est pas passé au bien. Tu es sorcier. J'ai été initié par mon petit frère. Depuis quel âge? Là, j'ai 15 ans. Maintenant, t'as quel âge? 15 ans aussi. T'avais combien d'années tu manges l'homme? Bon, dans le micro à monsieur Caboté. Monsieur, mettez-vous devant. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 20 ans. J'ai un homme, Lignon Nyandi Loïc. Je suis sorcier, j'ai été initié depuis l'âge de 2 ans. Par qui? Par mon nom. Il est où? Il est au village. Toi, tu viens d'où? Je viens d'Abidjan. Il est venu avec qui? Je suis venu avec ma soeur. Et tu es sorcier? Oui, voilà. Tu manges l'homme? Oui, voilà. C'est d'où? Oui, voilà. C'est l'homme est d'où? Réponds, hé! Oui, voilà. Tu te demandes, c'est pas dans ta gorge. Je te demande d'être sorcier. C'est d'où? Oui, voilà. Tu manges quelle partie de l'homme? Moi, je mange la tête. Donc, le monsieur, là. Il a porté tricot de l'idée de bord. Maintenant, à votre Hein? Maintenant, à votre Tu as joué aussi. Je suis sorti. Il était initié par mon grand frère. Il est où? Il est à Abidjan. Tu m'as l'homme? Oui. C'est d'où? Oui. Quelle partie? À votre. Les côtelettes. Bon, laissez les petits là. Petit, tu mets l'homme. Non, le petit. Oui. Ah non, le petit. Tu manges. Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kissé Barry Ange Pignel. Viens là-bas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kissé Barry Ange Pignel. Pignel. Il est venu avec qui? Ok. C'est bien le père? Enfin, mon petit frère. Il est où ton petit frère? Il est en France. Ok. Il est sorcier, c'est ça que vous avez su sa sorcellerie? C'est à la maison en décembre, au moment où j'ai pris un moment de jeûne et prière, puis j'ai appelé mes enfants. C'est là qu'il a dit que ah, papa, on veut me tuer. Et il lui a dit même pourquoi on veut te tuer. Il dit de venir faire des pratiques ici, mais il n'arrive pas à faire. Donc c'est pourquoi on veut me tuer. Donc, alors? Oui. Donc, il fait quoi les pratiques? Oui. Ah bon d'accord, et d'abord on lui a demandé d'aller détruire mon atelier. Donc il s'est réveillé à 4 heures. Et je devais aller là où je fais l'œuvre de Dieu et je lui ai dit que je te laisse ici, mais pour rien faire. Et si tu fais quelque chose, tu vas t'attraper. Et à 4 heures, il est sorti pour aller au marché. Et il y a quelqu'un qui l'a attrapé. À 4 heures du matin. Et donc, quand la personne est venue, lui dit, mais votre enfant, qu'est-ce qu'il fait pendant la nuit? Hors du village, il y a des gens qui l'ont escorté. Mystiquement, donc il n'était pas seul. Et il allait enterrer une pierre à l'atelier. On lui a donné aussi une bouteille qu'il enterrait chez nous à la maison. Donc c'est quand il a commencé à confesser et que tout cela est sorti et il allait déterrer. Oui. Donc okay, appelé... on va l'écouter maintenant. Merci. On va l'écouter. Comment tu... Bon, les autres partaient, celui qui est en tricot bleu là, tu restes. Les autres, allez-y. Comment tu es sorti? Il y a un petit salon pour vous, il m'a félicité de me prendre. Hein? Et je passe un bateau au marché, et puis il y a un petit qui m'a félicité de me prendre. Et puis il peut s'y venir. Il y a un moyen, il y a un moyen, et puis jeune. Quand je finis le moyen, il y a un loin, c'était pas long, mais c'était sans. Quand je finis le moyen, maintenant, je suis pas tout pour le moment. Mais tu sais, je suis pas tout mes laver.
Moi, je n'ai pas dormi la veille. Et oui. Et puis, je me suis couché. Maintenant, on me suis couché maintenant. Lui, il a revenu maintenant. Parle fort. Lui, quand il a appelé pour voir, il est venu me chercher maman, pour l'amener dans le camp de sorcellerie. Mm-hmm. Pour dire, voilà ton petit sorcellerie, puis mon grand-père dit d'accord. Mm-hmm. Et puis, il t'en est la sorcellerie. Quand... Oui, quand t'es arrivé là-bas, on fait quoi? Ils m'ont dit que tu es dans la société. Et puis, on fait quoi après? Après, ils m'ont donné des missions. Quelle mission? Ils m'ont dit que j'ai une bouteille à la maison. Ils m'ont dit que j'ai parti mettre un enfant de mon père. Quelle bouteille? D'enterrer quelle bouteille? Bouteille de Coca-Cola. Il y a quoi dedans? Enfant. Hein? Enfant. Enfant de qui? Enfant de mon papa. Quel papa? Mon papa de là-bas. C'est ça? Il dit pour que on a deux enfants. Donc la bouteille puis l'enterrer. Donc en décembre là, moi et ma femme on venait de travail et puis il avait fait à tout. C'était pour embouter la femme. Laisse, je vais demander comment il a fait. Parce qu'on a l'absence quelque part de certaines choses spirituelles dans notre vie. Moi, tu me fais à tout, c'est toi qui vas valer ta langue. Parce que ce qui est en moi, c'est bon. C'est plus fort que ce qui est dans la société. Comment tu as fait pour prendre l'enfantement? Prends le micro. Comment tu as fait à tout? Comment faire à tout? Comment tu as fait à tout? On dit les accolades. Là-bas, on parle français. Bisous, on dit les calés. Oui, c'est pas déjà à tout là. On a pris le français. Ouais. On va partir. Vous ne comprenez pas. C'est que vous n'avez pas à tout. C'est fait les petits canets, calés, tout ça. Vas-y. Oui, mais ça doit être. Adou, on a tout compris. Quand je voulais faire tout l'esprit, j'ai essayé de transformer et puis essayer de faire tout l'esprit. Disons, puis il y a des enfants maintenant. Ah! Je vais appeler la scène. Je vais montrer un peu la scène. Ça va, je vais montrer. Moi je viens, non? Je suis comme ta tante. Comment tu as fait à tout? Comment tu as fait? Bon, moi, il vient comme ça du marché. Et puis tu es rentré dans le ventre. Hein? De ta tante. Puis tu as pris le bébé. Puis tu as mis dans la bouteille. Et tu as fait quoi la bouteille? Tu as l'enterré. Où? Dans la maison là-bas. Chez eux. Tu as eu la WC. Tu as tué combien de personnes? 3 personnes. À sorcellerie. Oui. Comment tu fais pour tuer? Oui, tu m'en fais, j'ai la personne, et puis je me transforme en serpent. Et puis il rentre en bas. Tu fais quoi? Oui, tu es les gens là. Je me transforme en serpent. Et puis il rentre en bas de la porte de la personne. Tu rentres en bas de la porte de la personne. Mmh. Et puis quoi? Maintenant, quand il sort dans la chambre de la personne. Tu rentres en bas de la porte. Et puis il sort. Quand il sort. Tu sors dans la chambre. Mmh. Puis il me transforme en l'homme maintenant. Tu te transformes en l'homme quand tu rentres. Mmh. Et quand tu qu'est-ce que tu fais? Quand il rentre maintenant. Et puis il a tué maintenant. Tu tues la personne. Alors, quand tu veux rentrer, tu en serpent d'abord. Tu rentres. Pour rentrer sur la paix, quand tu rentres, tu deviens. Tu fais comment pour devenir l'homme? Tu fais comment pour devenir serpent? Et quand tu rentres, tu dis quoi pour devenir homme? Avant, il dit serpent, il dit Satan, rentre, serpent, puis. Il devient serpent, puis. Non, tu dis Satan, rends-moi serpent. Tu deviens serpent. Tu rentres. Maintenant, quand tu rentres, pour devenir homme, tu dis quoi? La même chose, tu dis. Et puis quand tu vois la personne couchée, toi tu es petit, comment tu arrives à tuer quelqu'un? C'est oui. Quelle force tu as? Quand il rentre chez la personne, quand il voit que la personne... Quand il voit que la personne dort, il va pour te piquer la personne. La personne dort? Et tu piques la personne? Où? Oui. Son à son ventre? Oui. Et puis tu l'envoies pour la manger? Oui.
Il a transformé en poulet. Poulet. Quel genou tu manges? C'est quel genou ou quelle sauce? Sauce d'arachide. J'aime la bonne sauce. Tu le vois petit, papa, il est vraiment bien. La nuit. Tu le vois un petit papa, viens ici. Oh, le petit, il est plus grand que toi. La nuit, il vient faire règlement de compte. Et donc, tu as pris bébé, tu as gardé la bouteille. Tu as gâté quoi encore? Tu as tué trois personnes de ça. Et tu as gâté quoi? Il fréquente? Oui. Où? À Guéma. Ok. Quelle classe il est? Je suis un. Ok. Donc, c'est comme ça, le chercher pour l'aider. Okay. En venant, le vieux l'a vraiment chargé, il lui a donné une mission pour venir nous détruire. Ok. Voilà. Et il fréquente où? À la mission USO, à Guéma. Bon, après, j'ai délivré. Il va rester ici à Divo, on va s'occuper de lui. Monsieur le roi, il voulait dire quelque chose. Ce que vous venez de dire là, il a déjà dit ça à tous les secrétaires. Oui, mais nous, les enfants nous préoccupent aussi. Nous, les enfants, on ne joue pas avec affaire d'enfants. Un enfant, un monde très sain, et pour sa croissance, dans la physique, mentale, pour qu'il puisse demain être quelqu'un. Pour que ça soit du passé, appel de sorcellerie. On va s'occuper de ça, tout de suite. Et tu as gâté quoi après? Après, c'est pas tant terrible. Piège. Pierre. Quoi? Pierre. Ah, une pierre. Ok. Dans son atelier. Et puis, je peux aussi partir. Il parlait de ce que. J'entends le monsieur que c'est pour lui atelier, pas sa machine. Maintenant, quand on finit de dire ça là, pour être là, partir maintenant, c'est là, il faut m'attraper, mais la fille là, il n'est pas vu. Maintenant, quand il s'est arrivé à la maison maintenant, c'est là maintenant, la fille elle m'a dit, maman, je ne veux plus, maman, on va maintenant. Nous, on ne peut pas m'attraper maintenant. Tu allais mettre des pièges, mais pas que les gens viennent, que ton père les clients, c'est ça? Maintenant, quand il s'est passé en revenant à la maison, et là, il faut m'attendre, mais la fille, elle n'est pas vue. Maintenant, ok. Ça servait à quoi, le piège? C'est pas piège. Pas la pierre, ou pas? La caillou, là, c'est comme la pierre. La pierre, est comment? Blanche. Elle est pleine blanche, c'est ça? Tu t'es enterré. Oui. Devant le magasin de. Ok. Tu fais quoi dans la rue? Couturier. Ah, couturier. Tu n'es pas qu'il y ait des clients, c'est ça? Ok. Mais qui te nourrit? Hein? Hein? C'est lui. Il va prendre l'argent là où tu nourris. Il faut qu'on lui pose cette question. Si ça ne marche pas, tu vas manger quoi? Tu vas manger la pierre là? Si lui te donnait gravier à manger, ils vont dire qu'il est méchant. Où il gagne l'argent là, c'est là que toi tu vas détruire. Comment tu trouves ça? C'est mauvais. Et puis tu fais. Vous voyez donc comment les gens sont possédés. Tu viens d'où, toi? Donc, tu viens d'où? Tu venais qui? Je la vois comme on l'a transformé là, un espèce de tête de dragon. En genoux. En genoux. En genoux. Allez. En genoux. En genoux. En genoux. En genoux. En genoux.
On ne joue pas quelqu'un qui a l'onction. Tu dois exécuter devant Jésus tout genou doit fléchir. Quitte sa vie. Quitte sa vie. C'était de l'ordre. Voilà. Vous voyez comment je te tords comme le serpent. Voilà. Quitte sa vie. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on va embrasser une femme, il faut savoir si elle est délivrée. Langue là, un peu comme langue de bœuf. Elle sort tomate. Elle checké à Boudjamon. Elle mange ça. Tu ne connais pas quelqu'un, toujours tu mets ta main, ta bouche dans la bouche des gens. Ta bouche dans la bouche des gens. Toujours, en train d'embrasser. Lâche-toi. Et doucement. Lâche-toi. Tu vas partir. Tu vas partir dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas la libérer. C'est comme ça. Ici, c'est un ordre. Si, tu vas la libérer. Si, tu vas la libérer. Quand Dieu, quand vous êtes enfant de Dieu, en tant que croyant, nous avons cette capacité de nous donner l'onction pour faire reculer autour de nous le royaume. Ouais. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. Jésus, tu dis. Jésus, toi. Laisse-moi gérer ça. On sait bien l'attraper à ma bouche. Si elle a dit l'enseignement, ça va se mettre en jeu. Si elle dit c'est Dieu, vraiment, qu'à se courager, ça va se courager. Laisse l'esprit de Dieu quand tu es chez moi. La puissance. Lâche-la. Lâche-la. Non, quoi?
Lâche-la. 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 À genoux. À genoux. À genoux. À genoux. À genoux. Je te mets à genoux. Au nom de Jésus. À genoux. Allez. Allez, allez, couche-toi. Couche-toi sur ton dos. Sur ton dos. Allez. 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 Je te cloue au sol. Tu bouges plus. Allez. Je te cloue au sol. Tu bouges plus. Allez. Je te cloue là. Voilà, tu bouges plus. Je te cloue au sol. Tu ne bouges plus. Voilà, va donc. L'esprit est en train de partir. Le démon est en train de partir. Le démon est en train de partir. Tu l'as libéré. C'est fini, elle est délivrée. Ça va? Ça va? Faut dire merci, Jésus. Merci, Jésus. Là, t'as changé. Merci. Mon nom, je suis venu ensemble, c'est un mot. Il a tapé mon nom. Comme il est occupé là. Regarde là-bas. Comme il travaille là, donc je suis venu. Vous n'avez rien dit. Mais je suis venu à mon nom. Mon nom, il a attaqué là. Vous ne savez pas quel homme qui a attaqué. Tu n'exprimes même pas. Elle est dans l'homme qui a attaqué. Est-ce que tu connais l'histoire? Ah. Mais tu as déjà commencé, tu expliques, mais tu n'arrives pas bien à expliquer. Bonjour, venez à mon oncle. Madame, lui, là, il a fait quoi? Un sorcier. Comment vous avez su? Pour lui, là. Quand mon oncle m'a appelé un matin. Ah, donc tu n'as rien vu dedans? Il dit de venir là, encore, il est l'accompagner. Il dit où? Il dit non. Bon, on a reçu le net d'abord. Il dit on a mis la compagnie. Nous, on l'a caché. Et puis, on l'a amené ici. C'est là où on est resté ici avec moi. Donc, vous ne connaissez pas l'histoire du pas. Vous ne savez rien de lui. Là, il est sorcier. Il a attaqué mon oncle. Il dit on l'a envoyé à la maison là-bas pour tuer mon oncle. Il vient d'où? Il vient de Djibo. Il est guéri. Il est guéri. C'est le neveu de mon oncle, le fils à son grand frère. Monsieur, tu es guéri. Donc ils l'ont pris à Djibo pour le mettre à l'école. Non, ils l'ont mis à l'école. Là, il dit, lui, il est venu en mission, qu'il n'est pas venu à l'école. Non, c'est pour cela qu'on m'a emmené ici. Ah, tu es venu manger, tu n'es pas venu à l'école. Non, c'est là pour ça, je suis allé à l'école. Manger. Je suis là pour prendre son arbre, parce qu'on m'a envoyé en mission dans les points. Les amis, viens, ils vont à l'université, toi, tu dis manger. Tu es sorcier? Oui, je vois. Depuis quand tu es devenu sorcier? Bon, alors il t'attaque aussi. Ah, je suis venu ici, il n'a pas dit la nuit aussi, mais frère et moi. Je suis fais la moue avec toi. Moi je sais pas, moi je suis venu, je lui ai dit la nuit. Tu fais la moue avec elle? Oui, il l'a fait avec moi. Comment tu fais? Bon, souvent, bon, elle n'est pas chez vous. Elle sait qu'elle n'est pas chez vous. Comment tu fais l'amour avec elle? Bon, quand elle dort comme ça, la nuit je vais chez elle et je vais sur son lit. Comment tu fais pour aller? Bon, comme je suis en bas, bon, je monte, mon âme quitte en moi. Pour aller où? Pour aller dans elle, dans sa chambre. Elle est où? Dans quelle chambre? Elle en haut. Quelle haut? C'est lui-même? Non, c'est Sopim là. Le quartier Sopim pour Massim. Donc lui il quitte en bas? Il en bas. La depuis l'intérieur, quand tu vas dans la journée. T'es possédé. C'est des rendez-vous la nuit. Ah, la tante, elle est bien. Elle passe. Bon, la nuit. Rendez-vous. Elle n'a pas besoin de venir dire, s'il te plaît, que tu as cassé son cou. Donc, elle en haut. Oui. Toi, tu es en bas. Et tu te retrouves en haut. Et comment? Ton heure, oui. C'est quelle heure? Non, ça va pas être 1h du matin. Entre-moi, elle dort. Ouais, ton mari de nuit. Possédé.
Donc fais chat noir là-bas aussi. Non, là, tu n'as rien dans la journée. Puis tu fais ton rendez-vous la nuit. Le possédé. Et comment tu fais pour entrer? Pourquoi je vais dans les chambres, les chambres sont fermées. Donc je me transforme en chat. Je me transforme en chat. Bon. D'abord, quand je vais comme ça, je fais pour que ça soit la cellule de chez la porte, pour que ça soit plus facile. Même si elle fait ma clé, ça soit plus facile à ouvrir la porte. Sorcier ou pas porte? Les affaires, les cellules, ça va. Sorcier ou pas porte? Comment tu fais pour rentrer? Sinon, sorcier ou pas porte? Quand je vais chez eux, quand je monte, les fenêtres, elles ne ferment pas. Je me transforme en chat et je passe par la fenêtre. Quand j'arrive maintenant, je me transforme en homme. Je me transforme en homme et je vais vers maintenant. Je fais des choses pour ne pas les gens. Pour qu'elle ait fait des choses à faire à moi. Mais voilà, c'est la chose que tu fais là, je veux savoir. Je parle, bon, quand je vais là-bas, je tourne autour d'elle trois fois. Où? Autour du lit? Oui, autour du lit. Elle ne se réveille pas? Fois. Non, elle ne se réveille pas. Autour du lit trois fois. Et je lui dis, ah, bon, je suis là. Toi, tu dors sur moi. Hein? Tu dors, hein? Moi, je sais pas. Oui? Donc, quand je tourne autour du lit trois fois. Tu tournes autour du lit trois fois. Oui. Ah, et quand tu tournes, tu dis quoi? Donc, en tournant maintenant, c'est là, je dis, ah, bon, je suis venu pour coucher avec toi. Et non, laisse-moi faire des choses. Je fais avec toi. Donc, quand je dis ça maintenant, mon frère, il m'en va. Quand tu la touches, elle répond sans problème. Mm. Elle est qui pour toi? Ma tante. Comment? Non, c'est éloigné quoi. Moi, c'est pour moi vraiment qui est proche. Donc toi, tu as vu faire un cadeau comme ça? Et quand tu as couché avec elle, tu as fait quoi? Quand j'ai couché avec elle, bon. Quand j'ai couché avec elle, j'ai fait pour ne pas qu'elle ait d'enfants, tout ça. Tu as tout gâté dans le monde? Oui. Tu n'as pas touché mon mari aussi? Non, il n'a pas touché pour moi. Hein? Non, pas. Non. Pour le mari, bon, il a fait que n'est pas que. Non, elle gagne le mari. Bon, quand elle avait un garçon, un mois, trois, un jour, deux mois, je ne sais pas où ça. Donc, elle gagne un gars, ça se gâte. Oui, oui. Elle tue pas avec lui, ça se gâte. Parce que toi, tu es là la nuit, c'est ça? Oui, tu es jaloux, c'est ça? Oui, pas. Tu protèges dans les chasses. Oui, pas. Tu as gâté et tout. Tu vas à l'église? Je vais à l'église. Des fois, pas. Voilà, voyez ça. Quand on ne va pas à l'église, c'est un gars bizarre comme ça. Tu as vu que Michel fait la même chose. Donc, toi, tu ne sais pas draguer. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas draguer. Non. Pour toi, tu fais pour toi la nuit chat noir. Oui. Quand on va à l'église, on ne va pas à l'église, on est exposé. Jésus-Christ est là et vous jouez à lui. C'est un gars bizarre comme ça. Il va venir t'embrasser la nuit. Viens, viens. Et quand il t'embrasse la nuit, il garde tout. Petit gonnet qui est là, il boit ça. Et tout se gâte. C'est pour ça que Jésus c'est important. Vous voyez, quand on vient à l'église, on est malade. C'est parce que Jésus est bon. Il nous protège et tout. Toi, à ton avis, là, tu peux avoir le bonheur sans Dieu comment? Toi. Là, tu dis, tu vas comme ça à l'église. À ton avis, tu peux avoir cette terre-là. Bonheur sans Dieu comment? C'est la question que tu as posée. Moi, cherchant Dieu, le bonheur. Mais tu ne le cherches même pas. Si c'est pas que des sorciers, tu es venu à l'église. Tu veux accepter Jésus même? Oui. Non, est-ce que tu es sérieux ce que tu fais? Je veux prier, mais je veux accepter Jésus. Il faut l'accepter pas avec amusement. Okay. Mais tout est sérieux. Ce n'est pas de l'amusement, cette histoire du christianisme. Ça y va de ta bénédiction, de ta protection. Il y a bizarre comme ça, il y a un mec chez toi. Il y a un mec qui est derrière toi. Il t'a vu passer dans la journée, il dit, bon, ok, la nuit, on se voit la nuit.
Et le petit monte la nuit. C'est toi. Or, il gâte le bonnet qui est en toi. Le gars qui était prêt physiquement, il gâte tout. Le con, maintenant, c'est gâté tout en toi. Parce que tu ne fais pas de Dieu ton appui. David dit, l'Éternel est mon appui et mon bouclier. Qui est ton bouclier? Déjà, parce que quand on parle de venir accepter Jésus-là, il parle de c'est pour venir à l'église. C'est pour ton propre bien. Dans le psaume 60, verset 14, avec Dieu, avec lui seulement, qu'on aura l'espoir dans ce certain. Et lui, il se chargera d'écraser nos ennemis. Qui n'a pas ennemi? Tout le monde est ennemi. Mais c'est Dieu qui écrase les ennemis. Pendant que tu dans la nuit, mais le dis-je tout. Il finit, il va. Il va dire comme ça. Lui dans la même chambre, il a fini, toi. Dans la même maison. Et ton nom qui fait quoi, boulot? Celui qui a dévenu ici. Au pont. Donc toi, t'es quitté à... Que vous avez fait? Giglo. Dans quel village? Oui, dans Giglo ville même. Vous venez manger. Embrasser femme. T'as tué combien de personnes? 28. 28 personnes. Oui. Accepte Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je décide. Je décide. De t'accepter. De t'accepter. Comme sauveur. Comme sauveur. Et Seigneur, personnel, en dans mon cœur, et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Que je sois. Seigneur, pardon tous mes péchés. Merci de m'avoir accepté. Au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Je t'ai déjà prié pour toi. Le salut est entre aujourd'hui dans ce cœur et désormais dans sa vie. La Bible déclare que nul ne peut venir à moi sans que le Père me l'a dit. C'est toi qui as dit. Personne ne peut amener un cœur à la conversion. Personne ne peut dire à quelqu'un, sois chrétien et peut-être sans ton aide. C'est toi qui transforme les cœurs. C'est toi qui appelle Éternel notre Dieu. Transforme-la et fais d'elle une véritable enfant de Dieu. Que le péché soit brisé, quel est le dégoût du péché, le dégoût des choses du diable. Seigneur, donne-la un cœur repentant, afin qu'elle s'attache à toi et qu'elle aime les choses concernant ton œuvre. Bénis-la au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es bien où? Je viens à l'hôpital. Ok, donc là-bas, il y a des églises. Voilà. Nous, on n'a pas une église évangélique, une église où on prêche Jésus. Véritablement, Jésus-Christ est prêché. Cherche une église adhère à cette église-là. Elle va continuer. Et puis, attache. Cherche à avoir une Bible pour la lire. Et Dieu te donne l'occasion d'être éclairé. Mais surtout, à partir d'aujourd'hui, dis-toi que tu es enfant de Dieu. Quand tu n'étais pas dans le Seigneur, voici ce que le diable a fait. Et que désormais, tu décides de marcher à Dieu. Tu vas voir que les choses vont changer. Amen. Okay. Ça ne fait rien. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Oh, le chanoine spirituel. Les sorciers sont terribles. Et ils n'ont pas le temps d'aller draguer. Madame, tu es belle, hein? S'il te plaît, ton numéro. Orange, MTN. Et puis tu as le bouclé. Non, lui n'est pas là pour ça. Chap, il monte. Il fait ce qu'il a envie de faire, il s'en va. Le mari de nuit, femme de nuit n'existe pas. C'est le sorcier qui se transforme, puis va coucher avec toi. La nuit quand tu dors, matin, tu es mouillé, c'est comme que quelqu'un fait des rapports avec toi. Ce qui se passe là, c'est vrai, mais c'est spirituel, c'est la sorcellerie. On appelle mari esprit, pas mari de nuit. C'est mari esprit. C'est pas la nuit seulement, il est dans ta vie. Et quand un sorcier qu'on a dans ta vie, naturellement, tu ne peux pas te marier. Parce que lui, il est déjà dans ta vie. Il est déjà un mari, mais un mari esprit qui te contrôle. C'est quoi que la plupart des femmes, ont des myomes, les fibromes. C'est quand les sorciers éjaculent en vous. Quand ils font l'amour, ils éjaculent en vous. Ça vous donne les myomes,
les kisses, les fibres. Un monsieur comme ça. Et les voleurs, là, ils disent quoi, hein? Tu as tué 8 personnes. 28. Comment tu peux les tuer? On est 28 là. Oh. Qui t'a donné la sorcellerie? C'est mon oncle. Comment il t'a donné? Bon, il m'a donné par la nourriture. Quand j'étais tout petit, j'avais 2 ans. Mon père et moi, on allait chez lui. Mon père allait lui rendre visite. Donc, c'est là-bas. Il m'a donné la nourriture. Bon, sa femme a préparé, m'a servi. Donc, c'est dedans, il a mis. Il m'a donné à manger. Donc, là, bon, je suis allé toi. Je suis reparti avec mon père. La nuit. Donc, les sorciers. Sorcellerie en guérin, qu'on appelle. C'est Gouillon. Hein? Gouillon. C'est Gouillon. Les voleurs. Vous dites Gouillon aussi. Donc c'est Gouillon. Donc c'est la même chose là. Nous les grands de l'Ouest là. Gouillon. Petit c'est quoi chez vous? Hein? Non, je ne dis pas de guérir. Petit, vous dites à vous. Donc c'est là, Dani, il est venu me chercher. Il m'a amené bon, dans un camp où il y avait des gens. Attends-moi, c'est ton nom. Quand tu es délivré là, on n'aura plus de dimanche. Où il y avait des gens. Bon, quand je suis allé, bon, quand ils m'ont vu, ils m'ont prié, il y avait la joie. Ils avaient préparé tout ça là. Quand ils m'ont vu, ils m'ont donné à manger tout ça là. Bon, c'est la chair, ils m'ont donné que le sang que j'ai bu. Tout ça, c'est ça. Bon, après ça, tu as tué 28 personnes. Après ça, ils m'ont donné la mission. Ils m'ont dit non, bon, tout, je suis entré maintenant. Je dois donner quelqu'un pour être genre, réellement maintenant parmi eux. Donc tu as donné qui? J'ai donné mon papa. Ton propre papa? Oui, oui. Mon il est mort? Oui, oui. Et c'est en quelle année tu l'as donné? Il est mort en 2002. Tu l'as donné? Ils l'ont tué? Oui, bon. Et tu as mangé quelle partie de ton papa? C'est moi, pour le cœur. Comme c'est moi, il a tué pour le cœur, la tête. Comment tu as fait pour tuer ton papa? Bon, il a tué même. Donc on dormait dans la même maison, donc c'est là-bas qu'il est tué. La nuit, je suis passé. Je vous ai dit, celui qui est avec toi là, il faut bien le connaître. Sinon, il va te mettre en sauce arachide. La nuit, je me suis mon âme. C'est comme à Paris, l'année dernière, un monsieur il touche sa femme. Chérie, puis il prend tout ce qu'il y a dans son ventre, il met dans son jumelé, et puis il m'a placalé. Électrique. Ta chérie. Mon mari. Oh, le monsieur, il prépare son jumelé la nuit. Il prend et l'attache. Trompe là. Il l'attache comme serviette. C'est pour bœuf là. Puis lui, maintenant, placalé. Bleu, 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 bleu. Ta chérie, ta femme. Vous êtes marié, il faut savoir te marier. Non, pendant que tu t'embrasses, lui il t'élève là, il tire la langue, il fait sort de tomate, beaucoup d'oignons dedans. Hey, c'est moi qui dis d'aller manger biscuit à terre. Hey, c'est moi qui dis d'aller manger biscuit à terre. Tu vois, biscuit, faut passer. C'est pas des méprises. La petite les pleurs un peu. Oui, s'il vous plaît, c'est la distraction. On va écouter le bonheur. Pas de fort. À mon heure, je me suis réveillé. Il est tourné au bout du lit 3 fois. Il a dit non, je suis venu prendre la maman pas. Que non, ça soit facile de prendre son âme. Donc, quand j'ai fini de dire tout ça, maintenant, 3 fois, j'ai pris l'âme. Bon, quand j'ai pris l'âme, il est transformé en mouton. Et je l'ai attaché, je suis allé dans le camp avec lui. Et je l'ai retrouvé maintenant à notre patron. Notre patron, qui est mon nom, qui m'a mis dedans. Le patron de qui ce sont là? Donc elle est livrée. Après, bon, on n'a pas tué le même jour. Ah, tu l'as tué, laisse les détails. On n'a pas tué le même jour, on l'a tué 3 jours, tu l'as tué. C'est pas ça? Oui. Alors l'essentiel. Donc on a fait. Et tu as tué les 8 personnes la même année, 28 personnes. Tu as gâté qui? Bon, il a gâté bon, elle, plus mon oncle, sa fille, son enfant. Plus, mais sa fille, ça dit enfant? Non, il y a un de son garçon aussi. Il y a un homme aussi, où je suis qui t'a dit Glo, sa fille aussi. Donc toi, les gens de Djiglo t'envoient? C'est lui-même qui m'envoie, lui qui a gâté sa fille. C'est lui qui m'envoie d'aller gâter sa fille. C'est lui qui m'envoie aussi. Qu'est-ce qu'il dit?
il est sorcier aussi. Mais comment ils t'ont envoyé ici? Bon, mon oncle, il venait à Guiglo. Donc il venait à Guiglo, donc ils ont fait bon, pour prendre son âme, pour que je puisse aller chez lui, pour prendre son âme. Ah, ils t'ont envoyé chez le monsieur pour que tu le manges. Oui, oui. Tu attraperas son âme. Oui, oui. Comment? Bon, quand ils sont arrivés, bon, quand il est arrivé à Guiglo la première fois. Il est là, c'est ça? Il a non, il est à Abidjan. Il est à Abidjan? On se tient debout. On va prier. Il faudra lui dire de venir demain. Tu as demandé au Seigneur de t'assister. Le Seigneur de te délivrer. Prions ensemble le Seigneur. Nous prions que la puissance de Dieu se manifeste. Continue de prier.